Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre sur TV+ Madagascar dans cette nouvelle édition du journal. Voici tout de suite les titres. 34 directeurs ont été auditionnés par la PAC au pôle anticorruption hier pour mauvaise gestion financière entre 2018 et 2021, ainsi que pour perception illégale et à outrance d'indemnité. Les auditions n'ont pris fin que vers 2h du matin. Le directeur des ressources humaines, le médecin-chef du centre de l'Ajirama et le directeur financier ont été tout de suite placés sous mandat de dépôt à Antanmour après leur audition. L'ordre du jour du Sénat a été adopté par les sénateurs ce jour, l'adoption en séance plénière du projet de loi de finances 2023 est fixé pour le vendredi 2 décembre avant les travaux de commission. Le manque de matériel et d'équipement de recherche reste un problème de taille rencontré par les étudiants à Madagascar. Le problème de distribution des bourses est aussi l'un des problèmes auxquels sont confrontés les étudiants-chercheurs et ils s'en plaignent également. Pour terminer, le Portugal a signé une précieuse victoire 2-0 contre l'Uruguay hier soir grâce à 2 buts de Bruno Fernandes. Il se qualifie pour les 8e de finale de la Coupe du Monde. Et à la une des actualités, 34 directeurs ont été auditionnés par le pôle anticorruption hier pour mauvaise gestion financière entre 2018 et 2021, ainsi que pour perception illégale et à outrance d'indemnité. Les auditions n'ont pris fin que vers 2h du matin. Le directeur des ressources humaines, le médecin-chef du centre de l'Ajirama et le directeur financier ont été tout de suite placés sous mandat de dépôt à Antanmour après leurs auditions. Des mandats d'arrêt ont été délivrés à l'encontre de l'ancien directeur général, de son directeur de cabinet, de l'actuel directeur général par intérim. Explication. Les auditions des 34 directeurs de la société Ajirama par le PAC Pôle Anticorruption se sont poursuivies jusque tard dans la nuit d'hier. Selon les informations, les auditions n'ont pris fin que vers 2h du matin. Les charges retenues contre les accusés sont la mauvaise gestion financière entre 2018 et 2021, ainsi que la perception illégale et à outrance d'indemnité auprès de la société Ajirama. Après plusieurs heures d'audition, le pôle anticorruption a prononcé la mise sous mandat de dépôt de 3 directeurs, dont le directeur des ressources humaines, le médecin-chef du centre de l'Ajirama et le directeur financier. 7 véhicules ont été aussi saisis par le PAC. Par contre, 3 directeurs, dont l'ancien directeur général de l'Ajirama et son directeur de cabinet, ainsi que l'actuel directeur général par intérim, n'ont pas répondu aux convocations. Le PAC a ainsi délivré un mandat d'arrêt contre l'ancien directeur général, Vunsi Anjamang, et son directeur de cabinet, Undra Samman, ainsi que l'actuel directeur général par intérim, Rivra Daniel. Et l'ordre du jour du Sénat a été adopté par les sénateurs ce jour, l'adoption en séance plénière du projet de loi de finances 2023 est fixé pour le vendredi 2 décembre avant les travaux de commission. La rencontre entre les membres du gouvernement et les sénateurs est programmée pour le lundi 12 décembre selon cet ordre du jour. Adopté aujourd'hui, 16 sénateurs sur 18 ont voté sans amendement l'ordre du jour au Sénat jusqu'au 16 décembre 2022. Explication de Zoura Barzone sur les images de Ruzu. Le président du Sénat, Irman Razaf Maïf, le vice-président du Sénat chargé du Triangle du Sud, Nicolas Rabemananzar, ainsi que le rapporteur général, Raymond Nall, ont dirigé la séance plénière sur l'adoption de l'ordre du jour jusqu'à la fin de la deuxième session ordinaire au Palais de Verre ce jour. La deuxième session ordinaire est centrée sur l'adoption du projet de loi de finances 2023, prévu pour le vendredi 2 décembre 2022, pendant une séance plénière, précédée des travaux de commission y afférents selon cet ordre du jour. La rencontre avec les membres du gouvernement est très attendue par les sénateurs, qui l'ont programmée pour le lundi 12 décembre. Une occasion pour les sénateurs d'évaluer les réalisations des membres du gouvernement dans leur province de tutelle, selon les sénateurs.
La journée parlementaire sur le changement climatique est prévue pour le 6 décembre. L'adoption de plusieurs projets de loi, la ratification de plusieurs lois, ainsi que la lecture de différentes propositions de loi des députés sont à l'ordre du jour au Sénat pendant cette deuxième session ordinaire qui s'achèvera le 16 décembre. Rappelons que 16 sénateurs sur 18 ont adopté cet ordre du jour ce jour. Et côté études universitaires, dans les universités d'État, le manque de matériel et d'équipement de recherche reste un problème de taille pour les étudiants à Madagascar. Par ailleurs, ces derniers sont également confrontés au non-paiement de leur bourse d'études. Pour rappel, après l'opération de digitalisation menée au niveau des universités d'État, beaucoup d'étudiants ont été absents de la liste des boursiers. Ultérieurement, la plupart d'entre eux ont été répertoriés, mais n'ont toujours pas perçu leur bourse pour l'année universitaire 2019-2020, en cette fin 2022. Pourtant, ces bourses représentent une grande aide pour les étudiants, surtout ceux issus de provinces autres que celles où ils poursuivent leurs études. Autre sujet, les touristes étrangers commencent à être attirés par le trail ou la course à pied en milieu naturel des collines sacrées d'Analamang. D'après les rapports de l'Office régional du tourisme d'Analamang, réservé initialement aux sportifs, il est maintenant désormais ouvert aux touristes lambda. Des touristes en provenance de la Réunion et de l'île Maurice sont expressément venus à Madagascar pour profiter des bienfaits du trail des collines sacrées de la région d'Analamang. Auparavant, cette activité n'était pratiquée que par les adeptes de ce sport et les randonneurs. Mais vu la situation actuelle du tourisme, les organisateurs sont obligés de s'adapter à de nouveaux marchés. Des efforts ont également été réalisés pour que les balisages des sites suivent les normes internationales. Ceux qui ont choisi l'Ultra Tour vont vivre 3 jours d'aventure intense à travers un circuit de 142 km depuis Mbuj-Manzak en passant par Mbatfout et Nkadmang pour rejoindre la colline royale d'Mbuj-Mang. En parallèle, les trails de découverte ont été également organisés pour les passionnés dont le trail découverte du Vak Nisaun. Un parcours de 29 km d'Akad Nanjin à Nkadmang auxquels 67 trailers ont participé et le trail découverte d'Avarajan, long de 23 km d'Amatulampkil, à Mbuj-Mang, auquel 300 participants ont pris part. L'événement, en plus d'être sportif, est l'occasion pour les participants d'explorer les hauts plateaux de la Grande Île à la découverte de la vie quotidienne des ruraux et des villageois. Le trail permet de diversifier les offres touristiques de la région d'Analamang et de donner un souffle nouveau au tourisme, tant au niveau national qu'international. Les activités se rapportant aux courses à pied en milieu naturel entrent dans la stratégie de relance du secteur touristique par le ministère du Tourisme de Madagascar. Et puis l'intégration de Madagascar à la zone de libre-échange continentale africaine nécessite un dialogue préalable au niveau national. Selon le ministre de l'Industrialisation, du Commerce et de la Consommation, ce dialogue permettra d'éviter les déficits toujours rencontrés lors des intégrations antérieures au marché régionaux. D'après ses explications, le ministre de l'Industrialisation, du Commerce et de la Consommation propose une voie avec la création de grandes industries et la promotion des secteurs stratégiques malagasy, comme celui de la vanille, du girofle, du cacao, du litchi et de tant d'autres. Reportage élaboré par Mika Njimbolaz sur les images d'Eric Hanefson. L'intégration de Madagascar à la zone de libre-échange continentale africaine ou ZLCAF requiert la validation de toutes les parties prenantes. Elle nécessite un dialogue préalable au niveau national, selon le ministre de l'Industrialisation, du Commerce et de la Consommation. Madagascar n'a connu que des déficits lors de ses participations antérieures aux marchés régionaux, d'après ses explications, pour ne parler que de la SADC ou Communauté de développement d'Afrique australe. Madagascar a payé la somme faramineuse de 2 800 000 euros
pour soutenir le Mozambique dans la lutte contre le terrorisme. Outre cette participation, Madagascar verse encore une cotisation conséquente auprès de ce marché régional, sans de réelles retombées en faveur de Madagascar. Un dialogue national pour définir les enjeux et les défis de la ratification est indispensable. Les résultats de ce dialogue alimenteront les éléments de décision du pays pour définir sa feuille de route sur la question présente de l'intégration du pays à cette zone de libre-échange, ZLCAF. Le ministre de l'Industrialisation, du Commerce et de la Consommation propose la création de grandes industries et la promotion des secteurs stratégiques comme les filières vanille, girofle, cacao, litchi et autres secteurs. Le dialogue national a débuté ce jour pour s'achever demain à Alarbi. Et maintenant, place aux actualités internationales. Le Portugal a signé une précieuse victoire 2-0 contre l'Uruguay hier soir grâce à deux buts de Bruno Fernandes. Il se qualifie pour la huitième de finale de la Coupe du Monde. Reportage de France 24. Ce Portugal, Hervé, vous a convaincu ce soir? Il a été à son niveau. Je pense que il y a eu 60 minutes pendant lesquelles l'Uruguay a refusé de jouer, donc c'était entre guillemets plus facile. Je trouvais que Cristiano Ronaldo a fait le job, a été à sa place. Et dans l'ensemble, au milieu de terrain, ils ont plutôt maîtrisé. Après, ils ont eu une période de flottement, un peu quand les Uruguayens ont décidé d'accélérer, et ils se sont bien repris sur la fin. Donc, ils méritent leur qualification, et je pense qu'il y a de grandes chances qu'ils soient premiers. Moi, j'ai bien aimé ce Portugal, et je l'attendais au tournant, surtout que c'est une équipe du Uruguay, effectivement, on le sait, très à l'aise défensivement. Ils ont pris un peu le temps. Un peu vieillissante, quand même. Hein. Un petit peu vieillissante, mais quand même, il y a des très bons joueurs, comme Valverde, notamment au milieu de terrain, ou encore Bentancourt. Mais c'est vrai que cette équipe portugaise m'a bien plu, il y a de la qualité technique, il y a de la vitesse. Je l'ai même préféré. Contre l'Uruguay que contre le Ghana, et je les ai trouvés assez intéressants offensivement. J'ai trouvé qu'il y avait quand même du mouvement, qu'il y avait des échanges assez rapides pour déstabiliser cette équipe uruguayenne. Donc moi, j'ai trouvé un Portugal plutôt convaincant sur cette partie, même si effectivement, il y a eu une petite période où ils ont été mis en danger, mais le gardien a fait le travail. Juste avant l'heure de jeu, Cristiano Ronaldo sorti à 10 minutes de la fin, il n'a pas marqué, même s'il a tenté quand même de s'attribuer l'ouverture du score de Bruno Fernandes. Comment vous le trouvez dans cette Coupe du Monde? On sait qu'il sort de semaines difficiles, qu'il a rompu son contrat avec Manchester. Avant, c'était Ronaldo et 10 autres. Maintenant, c'est 11 joueurs, dont Cristiano Ronaldo. Je trouve que dans ce Portugal, où c'est sans doute plus le meilleur, eh ben, il a une attitude positive. Déjà, le faire sortir à 10 minutes avant la fin du match, alors qu'il n'y a que 1-0 pour le Portugal, c'est quand même extrêmement rare. Donc ça veut dire qu'il l'accepte. Et je trouve que son attitude a été positive, même quand il est sorti du terrain. Oui, c'est vrai qu'il a complètement changé de registre. Mais il fait beaucoup de courses, de propositions. C'est désormais vraiment le finisseur. Il laisse la possibilité aux autres de s'exprimer. Bruno Fernandes, par exemple, a pu s'exprimer cette année, ce que des fois, on voyait bien qu'il y avait une difficulté de leadership. Donc non, Cristiano Ronaldo, c'est devenu vraiment le grand frère qui accompagne les autres et qui accepte de le faire. Point final de cette édition. Très bonne soirée à tous. Au revoir.